Bonjour tout le monde. Salut. Aujourd'hui c'est petite sortie matinale. La Loire a un niveau un poil plus haut que ce qu'on peut connaître à cette époque-là. Donc voilà, on a sorti les bouchons, les petits carassins pas trop gros, et puis on va essayer de faire les bordures, les coulées qu'on connaît, en espérant faire quelques poissons. Ouais. Vous avez pu voir que Hugo a été assez performant les dernières sorties, donc ça sent bien qu'on réédite c'est un grand mot. L'histoire. Donc, c'est vrai qu'ils sont bien mis en activité. Là, ça... mm. Bah, l'eau, elle a monté un petit peu en température de 1 ou 2 degrés, donc ça peut changer beaucoup de choses. C'est clair. Donc voilà, on est là ce matin de bonne heure, de bonne humeur, fraîchement, en espérant que les poissons se prêtent au jeu. On est en train de préparer la dérive, on va avoir un beau poste à faire. On a fait déjà un premier poste, mais il n'y avait pas énormément d'eau. Puis en plus, le sondeur nous a lâché. Je sais pas ce qu'il a. Donc va falloir faire 100. À l'ancienne. On va descendre le long des tas de bois juste en bas. C'est un joli poste parce que quand elle monte, ça crée un calme et on voit pas mal de poissons blancs. Donc les silures sont jamais bien loin de toute façon. Et voilà, on va essayer de faire cette berge là. Et on va voir ce que ça donne. Après on descendra petit à petit. C'est une touche. Merci. Et hop, viens là, Cordis. On couvre, mais... Ils se piquent pas, les deux hommes sont en ce moment.
je pense. À peu près, un petit poisson. C'est pas bien gros. Il y a des belles couleurs. Ah, il a des belles couleurs, c'est ce que j'allais dire. On peut le voir. Hop, hop, hop. Attends, on prend une petite photo. Ouais. Ah, une petite vidéo. Décollage. Ah, c'est galère. Ouais. Et là, voilà le petit poisson sympa. Il est joli, tout d'un petit peu orangé là, c'est. Ouais. Premier poisson. Ouais, on refait la coulée. Ouais, on peut. Ouais, je pense. C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs dérives, plusieurs spots différents, plusieurs profondeurs, plusieurs fois. Mais ouais. Bon bah on vient de faire un poisson là, loin des tas de bois, j'ai même presque pas vu la touche. J'avais le vif qui était sur le fond, il a vraiment pris sur le fond. Ils sont assez durs aujourd'hui, donc voilà, on va descendre là, sur un autre poste, là, sur un poste où on a fait la dernière vidéo l'année dernière. Ouais, ouais. Donc le long d'une plage de sable, là, ça fait une belle cassure sur bien 300-400 mètres. Là on va essayer de... On va essayer d'insister un petit peu là-bas, puis si ça marche pas, on remontera et on réinsistera sur les postes qu'on a déjà fait. Voilà. Il est encore pas tard, on a le temps de faire 2-3 dérives encore. Ouais. Donc on va insister. Le vent est pas chaud, ça semble que le soleil se monte pour chauffer un peu la surface de l'eau. Ouais, de l'eau. Mais bon, on n'est pas capot. Enfin, tu n'es pas capot. Bah, on n'est pas capot. Donc c'est bien. On a encore fait une sortie avec du poisson, donc c'est le principal. Et on va insister. Rien tester les vocables. Hein? Rien tester les vocables. Que ouais, ouais. Ça dans le ventre. Oh. Bonjour.
ça va toucher à sa fin. Ouais, c'est la fin alors. On a essayé de... plein de zones, plein de structures, tout ça, mais différentes profondeurs et ça. On a fait qu'un seul poisson. Après le vent commence à se lever, donc voilà. On va se rentrer tranquille. On est déçu, mais on a fait un poisson quand même. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu en faire d'autres, mais bon, c'est comme ça.